Dans la Gemara Gittin, page Pechet 88, folio base, Amud base, la Gemara nous dit la chose suivante. Vetania, nous avons étudié une braïtia. Hoya Rabbi Tarfon, Oymer Rabbi Tarfon disait, Kol makom shata motse aguriot shelovde kochavim. Dans chaque endroit où vous allez trouver une cour, un système de justice non juif, d'ailleurs, c'est une des responsabilités fait part des sept lois de Noé où ils ont besoin d'avoir un système judiciaire, donc la justice. Alors il dit, Afalpi shedinem kid dine Israël. Par exemple, nous avons un litige avec quelqu'un, une affaire, litige commercial. Et il faut aller trancher devant le juge. Même si nous savons que dans cette situation particulière, le jugement est similaire de ce que la Torah nous dit, le jugement civil est le même que le Beit Din aurait dit, nous dit la Gemara que la Torah nous enseigne qu'il faut toujours « Iyata reshaï lizakek lahem » On n'a pas le droit d'aller devant la justice civile ou criminelle. Pourquoi ? Voici les astuces, voici les lois que vous allez proposer devant eux, nous dit la Gemara, que quand nous avons un litige, on doit ramener ça devant un rabbin, devant un juge, il faut que ça soit fait devant la cour rabbinique. D'ailleurs, Rashi rapporte ça dans leur premier verset de la paracha de cette semaine, rapporte cette Gemara, et Rashi nous explique, il dit la raison, puisqu'en allant devant le tribunal non-juif, on donne une certaine valeur, on valorise le tribunal non-juif avant de valoriser le Beit Din. Et ceci, c'est interdit. Donc ça, c'est le début de la paracha. Ensuite, deuxième pasouk, Torah dit... Maintenant, que l'explication simple veut dire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant que vous avez reçu la Torah, maintenant on a eu les 10 commandements au Mont Sinaï, maintenant tu vas aller renseigner toutes les mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah. Il commence avec quoi ? Qui tikne eved ivri, tu vas acheter un esclave juif. On ne parle pas d'esclavage forcé, mais une personne qui se vend en esclave, puisqu'il a besoin de vivre et son maître va s'occuper de tous ses besoins. La Torah nous dit d'abord combien de temps tu vas rester en esclavage. 6 ans. L'année sabbatique, au Bashviit, ou l'année sabbatique qui était la Chofshi Chinam. Là, vous allez, il peut pas rester plus longtemps que ça. Et dans la route, est-ce qu'il a droit de lui donner une épouse? Est-ce qu'il a droit de lui donner une femme? Ou il n'a pas droit, dépendamment s'il est venu marié ou s'il est venu célibataire? Et ensuite, la Torah nous continue. Qu'est-ce qui va se passer s'il veut rester plus longtemps? Tout est à la chôte par rapport à l'esclavage. On se pose la question. On vient de Mont Sinaï. On vient de dire dans Sevenishma. On vient d'avoir cette révélation extraordinaire, cette révélation divine au Mont Sinaï. Les premières deux choses qu'on a besoin de savoir, c'est de ne pas aller devant le juge. On a déjà des litiges. Et quand tu vas acheter un esclave, est-ce qu'il n'y a pas... On aurait pu penser qu'il y aurait dû avoir des autres mitzvot qui devraient avoir priorité avant de nous parler de litige et avant de nous parler de esclavage. Pourquoi est-ce que la Torah nous ramène ça au début? Eh bien, il y a une Mechilta qui dit la chose suivante. Mechilta dans la Shemot, il dit. Dieu dit, première chose, Kiblou Malchouti, vous acceptez mon règne. Vous m'acceptez que je suis votre roi. Vous m'acceptez, vous réalisez que ce monde, c'est un royaume dans lequel il y a un maître, il y a un roi. Une acceptation générale de la royauté divine. Ensuite, Kiblou Gezerotai. Ensuite, vous allez accepter les détails par lesquels on peut vivre, par lesquels on assure cette royauté, par lesquels on est des sujets reliés, attachés à ce roi. D'ailleurs, comme on dit d'abord le chemin Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, une attestation de foi en Dieu, ensuite va Hafta, une attestation de l'amour vers Dieu, et ensuite va Yahim Shemoa, et ensuite on parle des mitzvot.
nous dit la Torah suivante, la chose suivante. Au moment des 10 commandements, qu'est-ce qu'il y avait? On s'est entièrement engagé avec Akadosh Baruch Hu. Na'aseh v'nishma. On accepte, on se relie. Mitzvah, on accepte cette unification avec toi. Donc il faut d'abord savoir l'idée générale, que toute notre vie, toute notre existence, toute la Torah n'a qu'un but. Le but c'est quoi? S'unifier avec Akadosh Baruch Hu. Amener la divinité dans ce monde matériel. Ça c'est la première idée. Ensuite il faut savoir, oui, c'est du travail à faire. C'est même peut-être de l'esclavage. Mais sache toujours que c'est le Bet Din, c'est la parole divine qui doit nous affecter. Et comment? Combien de temps? 6 ans. À la fin de ce séjour, on va tous être libérés. Libérés avec qui? Avec quoi? Avec la Goula, avec Mashiach. Now.